Départ dans quelques instants de la sélection nationale senior. Nous sommes dans le stade de la séance d'entraînement, la séance officielle avant le match de demain mardi, le 15 juin, face à l'équipe du Canada, match retour. Important pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, match retour, deuxième phase. Samedi dernier au Stade 14, sélection de Bédion, voilà, c'est le Canada. Et match retour là, après Chicago, c'est pas dans le pays Canada, c'est dans le pays États-Unis. Et c'est là que le Canada a choisi de jouer et rencontrer Haïti. C'est là que les associations sportives canadiennes, nous même dans toute discipline, c'est là que nous choisissons de jouer. Les États-Unis ont choisi de jouer, bien sûr. Mais le Canada a choisi de mener Haïti. Et par rapport ici à Chicago, en deux groupes de sélection arrivés là, qui ont disposé jusqu'à présent de 19 joueurs. Merci. Vous êtes âgé. Bonjour. Eh bien, c'est nous qui nous avons devant la caméra. Oui, Canada choisit Mélano là. Et avec toute contrainte que ça a gagné la dernière, déjà, c'est seulement de nous disposer de 19 joueurs jusqu'à présent. Et là, Johnny Placide, Alex Christian Junior et Kennedy Antoine, et que nous espérons là, mais on peut arriver. Et quant à ma expérience, donc lui-même, lui, et pas carré du tout. Une grosse réflexion qu'a faite autour de la World Cup aussi, de stratégie adoptée pour s'adapter et aux effets dévastateurs du Covid-19. Donc, après l'analyse en fait, on veut anticiper sur toute bagaille. Et si vous voulez réellement adapter ou à ça pour vite elle-même bien poser des bandes et dans le voyage et dans les activités sportives. Donc, obligé, on a dit, adapter ou à Covid là, sinon ou dehors. Voilà, c'est ça la situation. Donc, au départ, hier, on se vient d'annoncer qu'on a gagné 23 joueurs. Et entre leur équipe là, entre leur préparateur physique là, Olive, et était bien content pour la première fois le tournoi au complet avec les blessures, mais les blessés qui ont récupéré dans la foulée. Et maintenant, on a un petit problème, d'autres problèmes qui surgissent et qui empêchaient que nous sommes capables de compter sur la totalité de l'effectif que Pierre-Jacques lui-même. Il était convoqué chaque fois mon problème, chaque fois mon problème qui présentait sur le plan. Ça a peut-être renforcé ce groupe-là. Et nous avons le coach Pierre-Jean-Jacques qui a sorti. Déjà, Simon Sen qui est chita sur le plan de Yora. JP, Nessaba avec Ashkar et Yato. Il y a plein de bus et Campbell et autres. Séance d'entraînement, séance officielle, Stéphane Lambez qui était sorti dans grosse rencontre, grosse performance et face à Canada dans le match-up. Mais oui, c'était muselé tout simplement. Et
ce qu'on appelle Alfonso Davis, la presse haïtienne et l'observateur football national là, et salué cette belle performance de Stéphane Lambert. Ça peut aller de dire Stéphane Lambert, bien monsieur. Voilà. C'est pour plus ou moins une idée qui a sorti tout à l'heure à Caracus. Je suis en train de faire un peu de temps.